You don't want to take a nap? But you love naps. Yeah, so why don't you want to take a nap now? You got any other plans? À tes souhaits! Bon matin, on est le 6 décembre, ce qui veut dire que c'est non seulement la Saint-Nicolas en Europe, une fête qui est vraiment célébrée en Allemagne, pas du tout au Québec, mais c'est aussi ma fête, ou mon anniversaire, comme vous dites en France, et c'est la première fois que je fête avec un bébé. C'était vraiment cute ce matin, Martin et Rémi m'ont chanté bonne fête quand on s'est réveillés, on a fait la grasse matinée. On est vraiment chanceux parce que Rémi, c'est une grosse dormeuse, comme moi. J'ai vraiment besoin de mon sommeil, fait que je suis très reconnaissante que ce soit le cas. Elle nous fait des 4 à 6 heures, pas mal tout le temps des 6 heures en ligne. Souvent, c'est moi qui la réveille à 4 heures du matin pour l'allaiter parce que faut que j'aille aux toilettes. C'est encore ma vessie qui m'empêche de dormir. C'est moins pire que pendant la grossesse, mais c'est encore une à deux fois par nuit. Bref, c'est ça, je la réveille, puis après ça, on se recouche. Puis souvent, on peut dormir jusqu'à 9h, 9h30 même. C'est vraiment ça qu'on a fait ce matin. Puis aujourd'hui, ça va être une journée très tranquille. On est encore en pandémie. Je sais pas si un jour, ça va se terminer. Mais bon, ça me dérange pas vraiment. Normalement, on aurait invité des amis, mais... Tu sais, je suis pas une personne à qui ça dérange de rester à la maison, puis de juste être avec les gens que j'aime. Donc, on va se faire de la bonne bouffe. J'ai des petites demandes spéciales. Puis, aller se promener, il fait super beau dehors. Puis, c'est pas mal ça. Enfin, on va voir ce que la journée nous réserve. Puis, si vous aimez ce genre de contenu, ben ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonniez et que vous aimiez la vidéo. Puis, ben on se revoit dans pas long, voir ce qui se passe avec cette journée de fête. J'avais une citrouille cuite dans le frigo depuis un bon 3 jours. Fait que je l'ai finalement réduite en purée avant qu'elle soit plus bonne. Ça, c'est les restes, l'intérieur, la peau qu'on va mettre au compost. J'ai gardé une tasse de purée pour ce soir. On va se faire des pâtes crémeuses. Puis, j'ai fait des portions de 1/4 de tasse que j'ai mis dans des petits moules à muffins en silicone du Ikea. Puis on va les mettre au congélo parce que je prévois pas cuisiner dans le fond... aujourd'hui, on ne veut pas la perdre, donc on va juste la mettre au congélo. Puis là, on va manger des bonnes crêpes qu'on a préparées hier. Hier, on parlait de quand on mangeait des toasts aux bananes puis aux tahini en Grèce. Fait que ce matin, ça m'a donné le goût de faire ce mix-là sur mes crêpes. C'est vraiment un trop bon mix, surtout quand tu ajoutes du sirop d'érable là-dessus. Fait qu'on a du bon tahini super crémeux, des grenades, de la grenade, quelques petites noix, des graines de chanvre et... La pièce de résistance. Le plus important, sirop d'érable. Qu'est-ce que ça fait mes crêpes là? C'est ma fête! Voilà, mes crêpes de fête. Je pourrais pas rêver d'un meilleur déjeuner que ça pour eux. J'ai oublié de mentionner, mais dans nos crêpes, on a mis des bleuets congelés et des gros chunks de chocolat. C'est juste tellement bon. Puis Martin, lui, monsieur s'est fait un stack. Ouais, mais je trouve ça plus efficace parce que... Parce que dans le fond, sur chaque crêpe, tu as tous les condiments, parce que toi, tu les as overlappés. Fait que là, il y a une petite partie de la crêpe qui n'a rien dessus, là. Sérieux. Fait que ça, c'est vraiment mieux. Puis j'aime ça comme couper dedans, puis prendre une bouchée avec les trois étages. Je trouve ça vraiment satisfaisant. Waouh, c'est tellement joli. Ah, tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait faire des crêpes genre aux épinards, parce qu'on dirait un petit sapin. Ouais. Tu as essayé de faire grosse crêpe, un petit peu moins grosse, oui. Un petit peu moins grosse. Ouais. Tu connais un petit bébé qui se réveille? Non, non, rond. Oh! Oh my god, tu as les plis de cou! Oh, c'est bon, c'est fait comme un masque sur les yeux. Il est tellement cute! Bon appétit! Merci! Martin est en train de préparer mon brunch de fête. Ça va être délicieux, c'est sa spécialité.
Puis moi, je regarde la télé, pas fort, avec des sous-titres Sugar Rush de Noël. Des sous-titres pour pas la déranger pendant qu'elle dort. Elle est dans son baby bjorn et si j'arrête de pomper avec mon pied, elle se réveille. On a acheté cette petite balançoire-là électrique aussi pour pouvoir justement avoir un break, mais malheureusement, elle l'aime pas vraiment. Fait que on la laisse faire sa petite sieste dans son petit baby bjorn. Martin a fait des patates parce que c'est mes préférées. Fait qu'il les fait bouillir avant, puis après ça, sauter à la poêle. Aussi, une grosse portion de tofu brouillé. On va se faire des burritos demain, fait qu'on va pouvoir utiliser les restants. Et je peux sortir... Ouh! Ah, wow! Ils sont tellement beaux! Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi beaux que ça, pour vrai. Voici le résultat final. Délicieux. Et j'avais demandé aussi... du Vego avec mes croissants, c'est comme du Nutella vegan fait à Berlin, puis je sais qu'on en trouve au Québec. Hein, Croquette, t'es jalouse? T'es bien cute. Merci, mon amour. Ça fait plaisir. Bonne fête. Oh mon Dieu, t'es noire, mais bon. Je suis noire. Ouais, à cause de la lumière. J'ai oublié de mentionner tantôt, mais c'est des Pillsbury, les croissants. Ils sont végétaliens. C'est super facile et rapide à faire, fait que... c'est parfait pour mon petit brunch ce matin. You like the Christmas lights? Pretty, aren't they? Those are the warm lights. Whatever you do, don't even dare suggest getting the cold lights, because that is the wrong answer. Martin se trouve bien drôle parce que quand j'ai acheté les lumières de Noël, je lui ai demandé « Ah, je prends-tu le blanc froid ou le blanc chaud? » Il a dit « Ah, moi j'aime mieux le blanc froid. » Mais comme au fond de moi-même, j'avais un feeling que blanc chaud c'était mieux. Pardon, j'ai pas juste dit « Moi j'aime mieux le blanc froid. » J'ai dit « Moi j'aime mieux le blanc froid, mais prends ce que tu veux. » Je tiens à mettre l'accent là-dessus, j'ai dit « Prends ce que tu veux. » Fait que bref, je me suis laissé convaincre et j'ai pris le blanc froid. Puis quand je les ai reçus, j'étais là, j'aime pas ça. Puis ça m'a vraiment comme, allô? Ça m'a vraiment comme obsédée pendant une semaine. Fait que là, j'étais allée racheter. Toi aussi, blancs tu chauds. Prépares le blanc froid, hein? Non. Ça vous tente dans les commentaires de dire oui. Qui a raison? C'est une joke, je l'ai pas échappé. T'es calme. Ah, bye bye. Je pense qu'on est. Je vais m'en rappeler de cette gag là. Qu'on va skyper avec ta mère. Ah oui, ben justement, là, on vient de recevoir des appels de ma famille, maman, mes soeurs, plein de messages Instagram, Messenger. Puis, sa petite face. On va aller se faire des pâtes dans pas long. Puis, changer les couches. Changer les couches, puis prendre ça vraiment relax. C'est vraiment une petite fête. On fait jamais rien de super spécial pour ma fête, mais là, en plus, avec la pandémie, on pouvait pas comme faire de petits parties ou rien. Fait que. On va se faire des pâtes, on va écouter un film, puis ça va être ça. Ah oui, avant que j'oublie aussi, il faut que... J'ai-tu mangé mon... Hé! Hey! Babe, j'ai pas mangé mon chocolat hier. Le veux-tu? Le veux-tu? Non. Ouais, c'est pas tant bon. Mais c'est pas grave, je vais le manger. Mais bon, on en a trouvé un vegan, fait que j'étais bien contente. Et puis là, évidemment, je suis prête de l'ouvrir. Ouais, c'est jamais tant bon du chocolat de calendrier de l'Avent, mais c'est quand même le fun à tous les jours de chercher la petite porte. Fait que c'était important pour moi d'en avoir un. Là, ben, je peux en manger deux. J'imite les sons qu'elle fait, puis ça, on dirait que ça donne le goût de parler. Regardez pas la bassinette. Mais voyons donc! On avait prévu faire des pâtes à la citrouille crémeuse. Ça aurait été vraiment bon, mais on était un peu trop lâches. Après avoir FaceTimé avec ma famille, puis on a des amis qui sont passés aussi cet après-midi. Donc... on s'est dit pourquoi pas se commander de la bouffe. On s'est commandé du vietnamien. C'est vraiment super populaire en Allemagne, à Berlin en fait, le vietnamien. Il y a des restos vietnamiens vegan à tous les coins de rue, on dirait. Par chez nous en tout cas. Je vais vous montrer ce qu'on a.
Non, Croquette, on t'en a pas commandé. Arrête de licher mon couvercle, s'il te plaît. Je suis un peu déçue cette fois-ci. Ils ont mis les wontons de ma soupe dans un truc en styromousse. D'habitude, c'est du papier. Mais bon, tasse-toi, Croquette. Puis, j'ai une soupe wonton avec plein de légumes. Puis, j'adore les nouilles qui sont dedans. Bébé, dans son bébé Bjorn. Dû pour une petite sieste. Puis, toi, c'est quoi? C'est des nouilles de riz. Sauté avec des légumes. Ah, il y a des petits oignons. Le tofu, il est tellement bon là-bas. Là. Okay, bon appétit. Puis, je pense qu'on va regarder le make... Ben, pas je pense. On va regarder le making of de Nightmare Before Christmas qu'on a regardé il y a pas long, justement. Ouais. Ben, on l'a commencé, là. Ouais. Fait qu'on va continuer ça maintenant que Rémi s'endort. Parce qu'on essaie de pas écouter la télé quand elle est là. Ah, bébé, c'est pas bon pour toi, la télé. Tu me donnes mal au cœur. Bon, ben, bon appétit. Tu veux pas dormir, toi? Mais oui, c'est la fête. Oh! C'est la fête à maman, tu veux en profiter? Oh. Mon doux seigneur! Tu sais, je veux dire, elle jase beaucoup ces temps-ci, mais à ce point-là... Je sais pas ce qu'il y a dans le lait à maman. T'as-tu mangé du sucre? Pourtant, maman, elle a pas mangé de sucre aujourd'hui. Comment est-ce que t'es de bonne humeur comme ça? Est-ce que c'est la grosse sieste que t'as fait sur maman? Pourquoi on va en avoir du fun ensemble, là? Ce n'est que le début! Mais c'est ce qui conclut le vlog. Sur ce, on va aller se coucher. Il est 10h30. On se couche une heure plus tard que d'habitude. Wouhou! On veille tard ce soir. Rémi a pas voulu dormir de la soirée. C'est vraiment rare. Normalement, elle dort vraiment toute la soirée. Elle voulait juste téter au sein, pratiquement non-stop. Puis après ça, jaser. Puis même là, elle a pas l'air de s'endormir. Fait qu'on va changer sa couche, essayer de l'allaiter. Puis espérer pas regretter demain d'avoir veillé tard. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça a été quand même un peu divertissant, même si c'est pas passé grand chose. Mais ça a vraiment été une belle journée de fête. Simple avec ceux que j'aime. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!